Le handicap psychique est difficile à définir. Il existe plusieurs formes. C'est une maladie qui nous affecte intérieurement. Elle ne se voit pas. Elle se montre par des comportements bizarres, pas adaptés à la situation. Intime. Prison. Enfermement. Prison. Le poison. Fragilité. La tolérance. Rechute. Suicide. Suicide. Des freins. Un trouble. Des freins. Invisible. Notre équipe de reporters est composée de travailleurs sociaux, psychologues, animateurs multimédia, handicapés psychiques. Tous placés sur un même pied d'égalité. Tous ensemble pour créer, réfléchir, s'interroger. Nous nous demandons comment l'expression artistique peut traduire ce qui nous préoccupe. L'invisible. Ce qu'on ne peut pas dire de cette maladie en utilisant l'écriture, la parole. Peur de tomber. Rond. Ça prend du temps. Peur. Isolement. La peur. La peur. Le rouge. Peur de tomber. Sur le fil. Rond. Peur. Sur le fil. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Exclusion. Le temps. Ça prend du temps. Essayez d'être juste au quotidien. Essayez d'être juste. Juste. Le froid. Au quotidien. Juste le au froid. Quotidien. L'isolement. Rond. Isolement. Comment l'art peut témoigner de la singularité du handicap psychique? Comment le geste, la voix, la peinture, le dessin expriment quelque chose de nous, de nos capacités à réaliser une œuvre, dire notre différence d'une manière artistique? Liberté. Le remède. Culture. Nouvelle. Exister. Le culture. Remède. Performance. Rédiger un texte. Performance. Expression. Culture. Exister. Le remède. Le remède. Liberté. 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 Pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de créer? Le thème actuellement, c'est de prendre des angles de vue sur les paysages et de reporter le regard qu'on a sur les objets qu'on prend dans le cadre de vue. Je suis en train de créer, là, aujourd'hui, un arbre. Avec des feuilles, je suis partie dehors, j'ai dessiné un arbre, ça m'intéressait, avec des arbres, des petits arbres, avec des petites feuilles, avec la terre. Comment avez-vous eu l'idée de créer cet atelier? Pour certaines personnes, c'était difficile de dire les choses par la parole. Et c'est une hypothèse, hein, j'ai fait un diplôme universitaire à Lyon pour ça, pour essayer un peu de réfléchir de comment, en quoi l'expression artistique peut constituer une aide à dire les choses un peu autrement en passant par l'expression artistique. Peut-être que ça favoriserait dans un deuxième temps la parole, alors que parfois elle est un peu en deçà, elle est réduite. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers cette œuvre? Dans le cadre qu'on était sur le balcon, c'est la place de la nature dans le béton et dans la ville. Je voulais voir le... Faire ressortir la nature. Ressortir la nature, voilà, c'était ça. Ce que j'ai vu dehors, ce qui est ressorti, c'est le béton, la flore et la verticalité dans l'architecture. Et comme couleur, c'est le gris et le vert. J'ai regardé dehors et j'ai vu un panneau, ça m'a fait penser à toutes les interdictions, voilà, tout simplement. Les interdits, les oui, les non. À la base, je ne savais pas ce que je voulais faire. Comment faites-vous devant une toile blanche? Ah, la toile blanche, vous savez que c'est comme l'écrivain, c'est la page blanche terrible. C'est redoutable. La meilleure chose à faire, c'est qu'il n'y ait jamais de page blanche. Il faut les couvrir le plus rapidement possible. Voilà. Moi, je suis, quand je vois des tableaux blancs, je suis angoissé au possible. Moi, je suis plutôt inspiré par les travers du monde. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je suis pessimiste. J'essaye de jouer avec les travers du monde, mais d'en faire une espèce de grande sarabande joyeuse ou pas. Des fois, ce n'est pas si joyeux que ça. Je laisse libre les gens d'imaginer ou d'analyser mon boulot. Mais je la vois plutôt comme une espèce de moyen de survivre quand même. Hein. Pourquoi participez-vous à cet atelier? Ça fait partie de ma thérapie liée à mes problèmes psychologiques. Oui. Et ça m'aide au quotidien à être un peu plus social et à avoir des gens.
Alors, je participe à cet atelier parce que je suis suivie par une psychologue, Madame Akoun, sur Isatis, qui m'a proposé d'y participer. Je pense qu'elle a apprécié ce que j'ai fait et que ça lui a fait découvrir l'invisible, ce qui est caché au profond de moi. Je crois que cet atelier me permet de m'évader un peu de mon quotidien et de découvrir des choses ou d'exprimer des choses qui sont en moi, que j'arrive pas à dire avec des mots. Parce que ça m'intéresse, je me sens bien que dans l'atelier. Et depuis combien de temps vous êtes ici? Deux ans. Deux ans, super. Et est-ce que participer à cet atelier vous aide à vous sentir mieux? Oui, très bien. Quand je vais dans cet atelier, quand je fais les dessins, je me sens très bien. Et quand j'entre à la maison, ma tête, bien. C'est pas parce qu'on participe à l'atelier que tout va mieux, mais il me semble que se déplie vraiment... Pour les personnes hein, qui participent, un apaisement, hein, un temps un peu précieux de ce qui peut se réaliser durant cet espace-là de deux heures, hein, ou avoir ce qui s'y construit à travers les œuvres qu'ils créent. Il y a aussi une progression hein, dans cette dynamique de dire les choses autrement. Par l'expression artistique. Ça fait à peu près deux ans que je participe à cet atelier. Qu'est-ce que cela vous apporte? Ça m'apporte un certain bien-être, un équilibre dans mes troubles psychologiques. Est-ce que cet atelier vous aide à vous sentir mieux? Oui, en quelque sorte. Si je suis contente de moi, si je ne suis pas contente, ben, je ne suis pas contente. Mais en général, on est content de voir ce qu'on peut faire. Des choses originales. Oui, me sentir mieux et je pense mieux me comprendre déjà. Il faut que j'arrive à me comprendre moi-même. Ouais. À travers ce qui s'y déplie, peut-être que ça pourrait aussi favoriser d'une autre manière leur insertion sociale et professionnelle. Oui, oui, oui. Déjà venir régulièrement aux ateliers, être à l'heure... Ça favorise peut-être un peu, moi j'avais évoqué ça, du travail autrement. De travailler autrement, c'est-à-dire oui, ça donne du rythme à leur vie et peut-être que ça va faciliter, je ne dis pas que c'est automatique, mais ça va faciliter peut-être leur insertion, l'accès au logement, oui, peut-être. Est-ce que vous créez avant de participer à l'atelier ou avez-vous découvert un loisir? Non, j'ai découvert vraiment le dessin et la création artistique avec cet atelier. Pratiquez-vous cette démarche artistique chez vous? Non. Non, que dans l'atelier? Que dans l'atelier. Sur mes murs comme un peintre en bâtiment, c'est tout, pas sur papier. On sent beaucoup d'énergie dans vos peintures. Est-ce qu'elles sont un moyen d'exprimer des choses que vous ne pourriez pas exprimer autrement? Ce n'est pas un palliatif à quelque chose, l'art. Hein. Mais c'est un besoin. C'est presque une respiration. C'est comme chanter. C'est comme, voilà. J'avais un artiste qui disait moi, je voudrais peindre comme l'oiseau chante. C'est-à-dire que l'oiseau ne chante pas pour pallier à quelque chose. Ouais, il chante naturellement. Est-ce que pour vous, créer est un loisir ou une manière d'exprimer vos émotions? C'est une manière de m'exprimer, une manière. C'est les deux à la fois, ça dépend comment je me sens le jour de l'atelier. Des fois c'est plus créatif et des fois c'est juste un support à mes troubles. C'est pas une émotion, c'est plutôt réfléchi. En fait, on prend des choses, des éléments, on les met ensemble et ça forme un tout, ça forme quelque chose, une idée, une œuvre. Non, c'est pas un loisir du tout, bien que c'est basé sur... Non, c'est pas un loisir, c'est vraiment une thérapie, vraiment. C'est vraiment essayer de construire un espace le plus créatif possible. Hein, c'est-à-dire permettre vraiment aux personnes qui participent de créer un peu à leur façon, hein, de dire les choses autrement,
hein, quand on sait que parfois parler c'est difficile. Est-ce que vous exposez, montrez ce que vous créez? Normalement dans le cadre des artistes, des fois on fait des petites expositions pour les gens qui viennent voir ce qu'on fait. Enfin, moi personnellement non, mais les artistes oui, puisqu'on a explosé dans deux endroits différents déjà. Et je pense que ça s'est bien passé. Et pensez-vous que montrer vos créations peut modifier le regard des citoyens sur le handicap psychique? Oui, je trouve que c'est oui. Oui, je trouve aussi. Non. Non. Non, puisqu'on le fait pour nous et je pense que les plus grands artistes qu'ils ont peints, ils étaient un peu tous un peu psychologiquement fragiles ou... Et après, tout dépend ce que c'est, le psychique, c'est... Enfin, pour moi, non. Je pense pas que les gens changeront d'avis. Ils viendront par curiosité regarder certaines choses et après, ça s'arrête là. Je pense que tous les gens sont curieux. Enfin, je trouve ça bien d'être curieux. En fait, de voir ce que l'autre peut faire, c'est toujours intéressant parce que c'est jamais la même chose. Tous les gens sont différents. Oui, puisque on participe à quelque chose, on crée quelque chose de... qui exprime nos états d'âme. Et à travers cela, les gens peuvent se rendre compte de ce que l'handicap n'est pas un obstacle à la société.